n'entend pas le moteur. C'est curieux, hein? Tiens, l'inspecteur Frédéric Larsan déjà au travail. Et depuis quand un reporter célèbre comme Rouletabille connaît-il M. Darzac? Vous n'avez aucune idée de la façon dont l'assassin a pu s'échapper de votre chambre? Je n'ai vu qu'une ombre qui m'a paru formidable. Oubliez l'expérience, être juste logique. Vous sentez comme ça sent bon, le mystère. Comment a-t-il pu s'enfuir? C'est pas de ce côté-là que vous trouverez le mobile du crime. J'attends l'assassin ce soir. D'accord. Je ne comprends rien. Oui, mais votre devoir, monsieur le juge, c'est de chercher à comprendre. Oui, bien sûr. Je vous aiderai à trouver le criminel par d'autres voies. Nous ne savons pas qui est l'assassin. Mais il ne fait aucun doute qu'ils le savent, eux. Elle veut endormir son père pour ce soir. Quel est ce secret effroyable, Sinclair? Où est-il? Il s'agit de prendre la raison par le bon bout. Le bon bout de la raison. J'ai vu qu'il était entré en douce dans la chambre de mademoiselle Sangerson. Il va lui tendre un piège. Ce secret doit être terrible. C'est un très grand et très curieux mystère. Très curieux mystère.